Bon, en fait, c'est juste une petite intro avant de visiter la prison. Parce que avant la prison, ça fait quand même, si j'essaie de bien lire, quoi. Le bastion Trubetskoy. Ouais, bah, désolé, mon russe n'est pas. Mais en fait, c'est de pas très bien. En fait, c'est devenu une prison politique, si je ne me trompe pas. En 10. Oh! De 1872 à 1921. Donc, c'est ce que j'espère, c'est qu'on pourra au moins rentrer dans, je veux dire, pas visiter la prison de l'extérieur, mais au moins qu'on peut rentrer, je veux dire, dans les cellules et s'il y a justement des ustensiles de torture, ça serait cool de pouvoir enfin, les utiliser, mais bon, de pouvoir les voir, quoi. Donc, voilà. Là, en fait, c'est la prison. La prison. On est dans la prison, c'est la chapelle plutôt. Donc, mine de rien, en fait, je pensais. Bon, je pensais pas, on ne devait rien dire. En fait, là, c'était à peu près comme ça. Cette image que vous voyez, apparemment, c'était la seule image qui a été prise en 1918. Donc, petite chapelle, quoi. Je n'ai pas vraiment. Je n'ai pas vraiment, je vais dire. Actuellement, nous sommes au deuxième étage de la prison. Donc, c'est quelque chose qui va faire plaisir à Landry, c'est la fille de Trotsky. Donc, hop. Voilà, mais de toute façon, toutes les cellules sont pareilles. Alors, tout à l'heure, on a vu un. Tout à l'heure, on a quand même vu un cachot. Un cachot, donc il faisait que là-bas il n'y avait pas de chauffage et puis il faisait vraiment tout noir quand on éteignait les lumières. Donc il faut dire qu'il n'y a pas de chauffage parce qu'en fait les cellules sont chauffées. Là c'est une cellule, là c'en est une autre. En fait là c'est ça. Là c'est la poêle pour chauffer et là en fait ce petit truc justement que vous voyez c'est là. Donc la prison elle est quand même assez grande. Donc c'est quand même assez. Impressionnant quoi. Parce que là, je veux dire, on ouvre un couloir et regardez, je vous montre. Vous voyez, c'est vraiment assez grand et à peu près toutes les cellules se ressemblent. Donc là, en fait, là c'était la librairie. Voilà quoi, c'est vraiment une petite librairie quoi. Vraiment, elle est bonne. Je ne sais pas quel livre il y avait, sûrement de la propagande, à mon avis. Et là, en fait, les hommes en fait c'est un prison, c'est vraiment une prison politique parce que d'après ce que j'ai pu dire, il y en a eu beaucoup qui ont été comment ça s'appelle des moines, pas des moines mais des prêtres, voilà, des gens qui avaient assez de culture et qui disons qui faisaient obstacle aux régimes de l'époque. Donc, vous voyez que la prison est une grande prison. Encore. Bon, voilà, la visite de la prison est terminée. Donc, je trouve que c'était assez. Mais bon, c'est vrai qu'on ne pouvait pas visiter toute la prison, parce qu'on n'a visité que deux étages. Donc, c'est vrai que j'aurais voulu peut-être en visiter beaucoup plus. Mais c'est vrai que, en fait, toutes les cellules se ressemblaient grandes. Franchement, ça ne pourrait pas être un appartement. Ça je voulais. Je vous l'assure. Et puis, voilà quoi, pas d'objet de torture, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens en fait qui n'avaient rien fait pour ça. Vous direz qu'à l'époque,
et la politique. Donc pour la forteresse, c'est fini. Bon, c'est la basilique et la prison parce que le reste, on n'a pas pris de tickets trop pour visiter. Donc voilà quoi. Donc je vous fais un petit panorama, un petit topo de là parce que là, je suis sur la place en face de la basilique. Comme ça, vous allez mieux voir. Merci. Hop, attendez, je dézoome. Voilà, bon ben maintenant, on se retrouve sur un autre site touristique.